résidence effective de M. Sébit David et Tamé Massoma, gouverneur de la province du centre, devant cette esplanade du palais de congrès, prévoit. D'abord, la remise des symboles des attributs traditionnels par les représentants des familles initiatrices, l'électronisation, et cette électronisation sera la première partie qui se verra traditionnelle. Après l'intronisation traditionnelle, il y aura les mots du chef installés. Après les mots du chef, le discours de M. le gouverneur, c'est-à-dire la phase d'installation officielle. Prévoit le discours de M. le gouverneur, la lecture de l'acte de homologation du chef à Tanganamari-Thérèse. L'allégeance et la remise des cadeaux au chef par les chefs traditionnels, un vin d'honneur et la fin de la première partie de la cérémonie au palais des congrès. Dans l'après-midi, une réception à la chefferie se fera à Efoulan sur invitation, suivie de résistance populaire. Sans plus tarder, je vous prie d'assister à la phase d'installation traditionnelle de Sa Majesté. Je vous remercie. De nous replonger dans nos traditions, autour des chefs que nous nous sommes donnés au fil des années. Qui ignore les chefs à Barbeninga, Ndirmogo, qui n'a pas entendu parler des autres chefs, Ndiyanaba, Atelezo, Ndiyaba, Ndiyanaba, contrairement à ce qui se dit souvent, la chevelure traditionnelle est une des institutions chez les métis, et les métis, la première bien. Un autre mot que je voudrais dire par rapport à cet événement, c'est que la double cérémonie d'intronisation d'installation de Sa Majesté à Tangana constitue à nos yeux un événement historique. C'est la première installation d'un chef supérieur à Yaoundé depuis 1943, date de l'intronisation de Martin Afeba, neveu de Charles à Tangana. La chefferie de Yaoundé est restée vacante depuis le décès de Martin Afeba en 1965, donc depuis 35 ans, il est maturé. Sa Majesté à Tanganamari-Thérèse Catherine est la faute aussi de Charles à Tangana. C'est très important si en Asie en doutait, elle est l'aînée du deuxième mariage contracté avec Julien Renoir après le décès de Marie Loire. Et puis, nous voyons en cette cérémonie une visitation de la promotion de la femme camerounaise. Madame Sa Majesté à Tangana est donc la toute première femme chef supérieure de notre pays au Cameroun. Le téléphone est installé et que tout le monde peut l'admirer, la première phase de cérémonie va pouvoir commencer. Aouya, Amo, Proma, et Dérou, et mon Samuel, on le dit que c'est là, il faut dans le monde. On le Amo, Sénat, il faut être avec moi aussi, à Kawakawakawakawa, à l'église de Bonala, je suis du monde. Moi, je suis un naïf, à l'Ouna, ma tête est à l'église de la Tana, voilà, Tana, Tana. Avec moi.
Le centre de la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté à Tangana Marie-Thérèse Catherine. On va au fur et à mesure commencer, présenter et commenter les symboles qui ont commencé à arriver. Voici donc arrivé l'un des grands symboles, Kalba.
Maintenant,
Zalangokuma, Abena, Leon, Aboresse, tous les Bretons, vous pouvez vous pouvez vous aider, vous pouvez vous Sa Majesté Atanganamari Thérèse Catherine, dans ses attributs, voici donc votre chef. Atanganamari Thérèse Catherine, on vous voit là, on doit dire que ça, on vous voit pour les femmes et les coups. Thank you.